Honorable Mrs. Kamina Johnson-Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of Jamaica, President in Office of the SEP Council of Ministers. His Excellency Dr. Patrice Gomes, Secretary General of the SEP Group, distinguished ministers, head of delegation. His Excellency Jean-Claude Brou, President of ECOWAS Commission, Madame Célie Montet, President of the SEP Committee of Ambassadors, distinguished ambassador and head of missions, ladies and gentlemen. By choosing Togo to host this 107th session of the SEP Council of the Ministers, which will be followed by the 43rd session of the SEP EU Council of Ministers, our organization has reiterated its attachment to Lomé, a city whose name is consubstantially linked to its memory and recollection, both distant and recent. Votre retour à Lomé est un acte de mémoire que le peuple togolais et son gouvernement saluent à sa juste valeur. Au nom de la relation d'hospitalité amicale, pour reprendre le poète grec Homère dans son ouvrage L'Odyssée, qui lie nos deux peuples, je voudrais, au nom du président de la République, le président fort Sozin Lanya Singbe, président en exercice de la CEDEAO, vous dire sentez-vous à Lomé comme chez vous. Votre séjour à Lomé vous convaincra une fois de plus de la qualité du régime togolais de l'hospitalité. La société togolaise est une société de l'hospitalité par excellence. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui où le groupe ACP soumet au questionnement sa propre existence au monde et s'interroge sur les raisons d'être de son existence aussi et sur ses propres fins entendues comme télos, où but et recherche à redessiner son partenariat avec l'Union européenne. À l'expiration en 2020 de l'accord de Cotonou, il nous faut réaffirmer le sentiment commun d'appartenance à notre groupe et notre commune dépendance. Le sentiment d'appartenance commune et de commune dépendance, ce sentiment que valorisent tant les stoïciens grecs de l'Antiquité et qu'il rapportait au cosmos, doit nous inspirer à réaffirmer en nous la solidarité organisationnelle où se joue la dialectique du multiple et de l'un, des parties et du tout. À dire vrai, the SCP group is a whole whose survival depends on the commitment of each member state. It's in spirit of cooperation and interaction that we can assume the responsibilities that are ours. The challenges we face today are numerous, and we must make wise, strategic and responsible choices to reposition the SCP group on the international stage. From the quality and fecundity of our choices, initiative and action will result in enabling or better empowering dividends that can help our state reduce inequalities and sustainable eradicate poverty. Nos populations nous attendent. Leur droit légitime au développement doit nous inciter à éviter lors de cette session le syndrome du bateau ivre.
Le syndrome du bateau ivre, pour ceux qui ne le savent pas, est ce qui traduit une espèce de nausée, la situation hypothétique d'un navire en perte de repère. Heureusement qu'aux ACP, nous ne sommes pas en perte de repère. Nous sommes ici à Lomé pour définir une vision commune. Et notre très célèbre Sénèque, que vous connaissez sûrement dans ses lettres à Lucius, disait qu'il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Aux ACP, nous disons au Togo, à Lomé, que nous savons là où nous allons. La logique d'unité doit guider nos pas. Nous devons aborder les futures négociations avec l'Union européenne en tant que groupe uni, en tant que pôle de responsabilité collective soudé. S'il est vrai que l'unité du groupe ACP en tant que pôle multilatéral de responsabilité collective ne peut signifier rien d'autre qu'une unité plurielle, ou mieux une unité dans la diversité, pour reprendre la pensée de Jürgen Habermas, en raison des spécificités propres à chaque ensemble continental, les spécificités et divergences ne doivent pas cependant avoir raison de notre sens de l'unité. Je pourrais en dire plus, mais je suis gêné parce qu'il y a l'ambassadeur de l'Union européenne ici. Non, je ne sais pas s'il faut attaquer l'Europe ou pas. Madame l'ambassadeur, nous sommes désolés. En restant unis, nous pouvons travailler ensemble et renforcer la souveraineté positive de nos États, autrement dit, leur capacité d'action externe et interne. L'unité d'action au rang des ACP aidera sans doute nos États à faire décroître les inégalités et à faire reculer les frontières de la pauvreté, à faire sortir nos États et populations de la situation d'inconfort actuel. L'enjeu, c'est la guerre au manque de développement dans nos pays et la pauvreté absolue, voire objective. L'état du monde actuel, quasiment comparable à l'état de nature obésien, pour ne pas dire de Toba Hobbs, nuit au groupe des ACP et à leur population. Changer cet état insoutenable, voilà ce qui doit être l'objectif de ce cadre de coopération sud-sud que nous voulons et nous souhaitons. N'oublions pas que l'objectif ou l'un des objectifs des ACP est d'œuvrer à la promotion d'un nouvel ordre mondial juste, plus juste et plus équitable. Ce défi qui reste actuel après 43 années de l'accord originel de Georgetown donne à réfléchir et nous appelle à la logique d'unité. Ce n'est pas en étant ensemble que nous ne sommes pas féconds. C'est plutôt parce que jusque-là, nous n'avons pas assez agi ensemble. La force réside dans l'unité. L'heure est à l'urgence du rassemblement, ou pour parler comme Edgar Morin, à l'urgence de l'essentiel. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, your meeting is taking place at a time when tendencies towards self-withdrawal seem to threaten our being together, testing our group fundamentals such as solidarity, unity, and cohesion. Ces tendances centrifuges auxquelles nous devons nous opposer de toutes nos forces doivent tout de même nous amener à nous interroger sur les facteurs qui nourrissent ce courant. Nous sommes à la croisée des chemins où nous devons avoir le courage de voir en toute objectivité la relation, la réalité, afin de dresser un diagnostic clair de nos difficultés et leur trouver des solutions qui s'imposent. Vous saviez, chers amis, c'est le célèbre poète allemand Oderlin
qui disait bien dans un style hegelien qui lui est connu, que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Il nous faut faire preuve d'imagination et d'innovation pour sortir de cette situation, car, comme le dit très bien l'un des grands chercheurs et grands scientifiques, Einstein, dans les moments de la crise ou des difficultés, seule l'imagination importe. What do we do together? For example, for a scientific research and mobility of students and teachers. Many of our countries have, more than others, provide expertise in specific areas such as new technology, e-governance, tourism, agriculture, health, ocean management, and so on. So many diversity and opportunities that we need to pull more than ever. We must initiate new form of cooperation. It's very important. By working together in a spirit of solidarity, our group can succeed in making our population the development actor we want. Le gouvernement de la République togolaise insiste sur la nécessité du renforcement de la coopération intra-ACP, car pour développer, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces dans une perspective humaniste et de confiance en soi. La confiance en soi, au plan individuel que collectif, comme l'enseignent si bien certains auteurs de l'école de Francfort, est le support basique de tout effort de développement. Notre coopération interne nous ouvrira des perspectives stimulantes qui nous auront ou qui auront sans doute des impacts sur nos partenaires, nos partenariats avec les autres. À cet égard, nous nous réjouissons que vous ayez ou que nous ayons inscrit à l'agenda de nos travaux la révision de l'accord de Georgetown, et nous nous engageons à l'examiner dans la droite ligne des orientations données par nos chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Sipopo en 2012 et de Port Moresby en 2016 et de notre document de position vers les ACP que nous voulons. L'avenir du groupe ACP dépend de notre capacité d'adaptation aux mutations profondes de l'environnement international. L'avenir n'est pas, pour reprendre les termes d'Henri Bergson, ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Et c'est ça qui est important. L'avenir se prépare. Celui de notre groupe doit se construire autour des perspectives réalistes et vitales qui engagent chacun de nos États et toute l'organisation. Mesdames et messieurs, l'heure est à l'action multilatérale. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, les préparatifs en vue des négociations du poste Cotonou sont l'autre préoccupation qui sera au cœur de notre session. Sur ce sujet, il est observé que le partenaire européen a déjà exprimé de façon claire sa vision du futur accord de partenariat. Mais disons-nous la vérité, et nous, quelle est notre vision? Nous voulons examiner et adopter, et nous l'espérons, un mandat de négociation du groupe ACP. La réunion que vous aviez tenue le 27 mai dernier ici, avant-hier, je crois, nous avait permis de faire des avancées sur l'examen des questions susceptibles de constituer des blocages sur notre vision commune. Du côté du groupe ACP, il y a lieu de souligner, pour s'en réjouir, une croissance économique enregistrée par un certain nombre de pays. La croissance économique a permis aux pays en question de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires. Toutefois, les économies de ces pays demeurent vulnérables aux chocs exogènes et il importe de ne pas les abandonner à eux-mêmes
en restant solidaires, nous pourrions mieux résister aux crises que nous vivons. Mais quand nous observons des pays européens, for example from 2000 till this day, both our partner and our group have undergone profound changes that must be taken into account in defining the outlines of our future partnership. Europe, for example, has in fact grown from 15 to 28 member states, since the new states do not necessarily have the same historical links with the SCP countries. This enlargement has a serious implication for the orientation of the EU external policy. Similarly, the withdrawal of the UK from the EU, the consequences of which are not yet fully known. We have repercussions on trade between the SCP countries and the European Union and on the consistency of the European Union Fund, of which the UK is one of the main contributions. Nous voulons ici, avant de conclure, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de mission, vous dire combien le gouvernement togolais se réjouit d'accueillir, une fois de plus, une réunion importante des ACP à Lomé. Et si vous nous le permettez, nous déclarons ouverte la 107e session du Conseil des ministres ACP et souhaite, au nom de notre histoire et du principe de l'espérance, cher à Ernest Bloch, plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre attention.